Bonjour. Alors, il s'agit toujours de gymnastique pour personnes au-dessus de 60 ans, on va dire, et limite supérieure, flou. Flou, ça va dépendre des capacités de chacun. C'est toujours Simone qui vous dit bonjour. Et c'est pour compléter la séance d'avant-hier, où j'avais parfois présenté de piètres performances en ce qui concerne certains travaux au sol, que j'ai amélioré depuis 2 jours. Bon, alors, je vais vous montrer ça, mais tout d'abord, quelque chose qui me tient à cœur. Alors, en même temps, on va s'échauffer un petit peu, hein, comme on avait vu l'autre fois. Quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la bosse dans le dos. Donc, j'ai trouvé ce moyen, utilisé déjà par nos aïeux, avec les gosses à l'école, qui devaient se tenir beaucoup plus droit qu'aujourd'hui. On leur mettait d'ailleurs des corsets. Moi, j'avais un corset quand j'étais petite, qui m'allait jusque-là, qui me faisait tenir droite, mais bon, après, ça s'est dégradé. Voilà, à l'adolescence. Bien, alors, regardez. Je me tiens, en fait, beaucoup plus droite involontairement. Ça force. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'un corset sera adapté, mais oui, oui. Moi, j'ai l'intention d'ailleurs de m'en acheter un, depuis que j'ai remarqué que mon dos s'arrondissait. Alors, en attendant de l'acheter, il y en a qui ne sont pas très chers, hein. J'ai vu ça sur Internet, bon, je ne vais pas payer pour faire de la pub, rassurez-vous, mais enfin, je m'achèterai un corset de bon marché, je pense. Tout n'est pas forcément lié au prix, hein. Bon. En même temps, vous faites un petit massage. Vous habituez la vertèbre là, ici, qui veut toujours être saillante, de ne pas être trop effrontée et de se rentrer. Voilà. Bon. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors, vous pouvez rester comme ça quelques moments. Faites attention en passant dans la porte quand même. Parce que vous voyez, ça, certains encombrements. Bon. Voilà, je voulais encore vous montrer ce qu'on n'avait pas bien vu l'autre fois parce que ma caméra n'était pas dans l'angle utile. Alors, par exemple, ici, on va voir ce que ça donne. Voyez-vous, faire travailler le tendon d'Achille, ici, qui part de là pour aller faire travailler, faire fonctionner les deux muscles qu'on appelle jumeaux. Voilà. Alors, hop, vous mettez la jambe arrière aussi loin que possible, vous pliez la jambe avant autant que possible, et vous tapotez de votre talon, vous tapotez le sol, vous allez aussi loin que possible, si vous allez là, vous êtes trop loin, vous n'arriverez plus à tapoter le sol. Alors donc, le travail deviendra moins efficace. Avancez donc un peu et vous voyez, je tapote le sol de mon pied arrière. Pareil pour le pied avant. Ça tire, hein, ça doit tirer. Les deux pieds aussi. Et en même temps, vous allez peut-être profiter pour faire des petites pompes lorsque l'on a de modestes biceps, comme moi par exemple. Ils n'ont jamais voulu être gros. C'est mieux que rien, hein, de toute façon. Hein. Il faut se dire ça. Et n'oubliez pas de respirer. Inspire, expire. Bon, alors maintenant je voulais encore, bon, on va se décontracter un peu, en alors, hop. Mes lunettes vont s'embuer, je le sens. Exercice au sol, j'avais dit, celui qui était raté l'autre fois, on va le reprendre.
reprendre. J'ai repris pendant 2 jours un petit peu. Et je crois que j'ai fait quelques petits progrès. On va voir ça. Hop. Alors, ce qui n'était pas bien l'autre fois, bon, j'en profite quand même pour faire ça. C'est toujours bien de le faire tout le temps. On respire bien. Alors, j'avais dit là. Et l'autre fois, j'étais comme ça. J'ai fait ça 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, je vais faire ça. 2, 3, 4, 5, 6. J'avais dit qu'on le fasse 10 fois. 7, 8, 9 et 10. Hop! C'est pas fini, hein? Tout ça, c'est pour respirer à fond et bien se décontracter. Je vais te faire de l'autre côté. Maintenant, la difficulté, c'est de faire ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, l'autre fois, je n'avais pas de main. On respire. Et maintenant, je crois que c'était ce côté-là qui était plus difficile, on va le voir. Alors, on est là. Six, sept, huit, neuf, dix. J'ai un petit peu triché en allant trop vite, mais j'ai tenu les 10. L'autre fois, à 3, j'ai craqué. Le mystère, bah, c'est de le faire progressivement, tous les jours un petit peu. Et pas toutes les 3 semaines, beaucoup, parce que là, après, vous attrapez des tendinites. Hein. Bon. Alors ça, on l'a fait. Je voulais encore vous montrer des petites modestes pompes. Modestes pompes. Là. Par exemple. Avec des petits biceps. Aujourd'hui, oui, je vous avais montré l'autre fois des abdominaux. Bon, je vais les refaire un peu par acquis de conscience, mais bon, si vous faites ça tous les jours, c'est pas plus mal.
et hop. Regardez le problème. Vous voyez, si je pose maintenant le crâne au sol, mon menton va se relever. Ça montre ma malposition. Alors, je vais serrer sur mon ventre. Vous allez voir la différence. Vous avez vu? Je lâche. J'ai tout de suite tendance à relever comme ça. Ça montre que j'ai une bosse dans le dos. Une petite bosse, mais bon, il faut faire gaffe. Hein. J'ai dit toujours 89 ans et demi. Hein. J'ai oublié de le dire peut-être avant. Vous voyez? Ça, c'est la bonne position. Autrement dit, mon dos est atteint de lourdose et j'essaye désespérément de la corriger, au moins de la stopper. Et ça vient d'une erreur de jeunesse. Hein. Dans mon temps, comme dirait ma grand-mère, eh bien, il n'y avait pas tout ça, puis de toute façon, il n'y avait pas d'argent. Hein. Voilà, alors, hop, c'est pas mal non plus. Ah, j'ai encore pas montré quelque chose que... Oh, hop. Ah. Bien. Alors là, je voulais vous montrer autre chose encore que j'ai vu sur faire par un kiné sur une vidéo, je trouvais ça bien. Je ne l'avais jamais fait. Moi, alors, il y a bien d'autres choses que je n'ai pas fait et que je ne me risquerai pas à entreprendre. Chaque chose en son temps et à son âge. Au lieu de se mettre comme ça, on peut aussi essayer ça. Bascule. Ah, c'est bien. Et là, je tourne le dos, excusez-moi. Bien. Au lieu de ça, on peut essayer ça. Ah, ouais. C'était pas trop bien. Ouah. Bon, on va se relever. Allez, stop pour aujourd'hui. Faire le petit salut du tai chi que j'aime bien.